Eh bien, salut tout le monde, c'est The Cody Commando du 29 et aujourd'hui on se retrouve pour la review du Galactic Empire Battle Pack. Donc c'est lui qui a gagné le sondage de la précédente review. Donc voilà, donc on va tout de suite commencer par la review. Donc c'est un Battle Pack donc de fin 2015 début 2016 qui fait référence au jeu Star Wars Battlefront si je me trompe pas. Donc le Star Wars Battlefront 3. Donc c'est des troupes de l'Empire. Donc on va tout de suite commencer par présenter le set. Alors pour la boîte, donc pas grand chose à dire dessus, une boîte basique, donc avec le petit logo Disney, une scène représentant le set, donc tout ce qu'il faut savoir sur le set ici. Donc c'est un set de référence 75134. Et dans le dos, quelque chose de pareil, un hologramme du set, ce qu'on peut y faire. Une autre petite scène et les armes présentes dans le set. Donc c'est tout ce que j'ai à dire sur la boîte, on passe au personnage. Donc le set comprend 4 personnages, donc 3 Stormtroopers impériaux dont un Shocktrooper et un technicien impérial, donc celui-ci. Donc on va commencer par lui. J'espère qu'on voit bien. Donc il a une tenue grise, gris clair. Donc extrêmement détaillé, enfin, il a quand même pas mal de détails au niveau du torse. Donc il a une ceinture, des traits, enfin énormément de détails. Et ça continue aussi sur les jambes. Voilà, donc vous pouvez voir. Le dos, simple, mais assez détaillé aussi. Donc, pas grand chose à dire dessus. Après sa tête, on peut voir qu'il a un micro. Hop. Et sa petite casquette, donc elle a un petit point. Hop. Et elle est très simple mais très jolie. Donc j'ai pas grand chose à dire sur ce personnage. Voilà. Donc ensuite on a deux Stormtroopers avec un jetpack. Attendez, je vais essayer de mieux mettre. Voilà, normalement vous verrez mieux. Donc on peut voir beaucoup de... d'impact et des garatignures, si on peut dire ça comme ça. Donc je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient fait deux Stormtroopers, on va dire, abîmés. J'aurais bien aimé avoir des normaux pour pouvoir faire une armée, mais bon, ils ont mis que ça. Donc alors au niveau des jambes, c'est détaillé, donc pas grand chose à dire dessus. Le torse aussi, où on peut voir des impacts de balles et des égratignures. Et le casque, c'est un casque normal, je crois, un petit peu plus détaillé que les précédents, mais avec toujours, qui est encore abîmé, donc ici, je sais pas si on voit énormément, ici et là. Donc il a une tête de clone normal, enfin des clones qui mettent maintenant. Donc dans son dos, on peut voir un jetpack qui est assez gros, et qui a une petite pièce 1x1 lisse avec donc c'est une pièce sérigraphiée, donc avec des petits détails dessus. Je sais pas extrêmement ce que ça représente, mais ça rend plutôt bien. Donc j'ai enlevé le jetpack pour qu'on puisse mieux voir le dos du personnage. Voilà, un dos qui n'est pas épargné, il a aussi des impacts qu'on peut voir ici. C'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce personnage. Voilà, le jetpack, il est assez gros. C'est pour ça que je suis pas extrêmement fan, mais bon. Donc après, c'est le même personnage et on passe au Shocktrooper. Donc qui lui n'a pas d'impact de balle, qui est tout neuf. Donc on voit des petites touches de rouge un petit peu partout. Sur les jambes, sur le haut du torse, les bras et le casque. Donc des détails aussi. Un casque aussi détaillé avec du rouge un petit peu partout. Et un dos avec une ceinture un petit peu brune. Ici on peut voir. Et donc voilà, donc c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour les personnages. Je vais vous les remettre comme ça. Hop. Et hop. Donc c'est de très beaux personnages,
Malgré certains trucs qui me gênent un petit peu, comme les jetpacks, mais je suis quand même bien content de ces personnages. Donc là, on passe à la petite station de combat qui est intégrée au set. Donc elle est plutôt sympa. Elle a des teintes rouge-bordeaux, donc on peut la voir un petit peu partout. Donc il y a un poste de commandement et un canon, plus un endroit où on peut asseoir des personnages. Donc on va commencer par le canon. Attendez. Voilà. Donc alors ils ont intégré les petits lasers donc, pour pouvoir jouer donc où on abaisse et ça tire. Donc quelque chose que j'aime pas trop. Mais ils ont quand même mis un vrai canon pour rendre la chose plus esthétique. Donc qui est assez réussi. Donc le canon tourne à 360 degrés et peut bouger verticalement. Hop. Verticalement comme ceci. Donc pas grand chose à dire dessus. Donc ensuite ici on peut asseoir un personnage. Je sais pas trop à quoi ça sert, juste un petit siège. Donc, je vais vous montrer maintenant. Voilà. Donc on peut aussi mettre son arme sur les petits accroches qui sont sur les côtés. Je vais essayer de la mettre. Voilà. Ouais, c'est bon, c'est bien mis. Donc une de chaque côté. Donc c'est si jamais on met un personnage dans le poste et au canon pour pouvoir mettre leurs armes sur les côtés. Donc il y a des petites barrières sur les deux côtés ici. Et derrière le personnage, on a le poste de commandement. Donc je vais vous le présenter. Alors de devant, il est assez joli. Avec une petite vitre, de petits ordi, de petites commandes. Donc qui sont à moitié protégés par ces pièces lisses qui sont en courbe, des pièces rouge bordeaux. Et de l'intérieur, donc on a la vitre et les deux ordis. Donc on peut mettre un personnage dessus. Ça va très très bien. Comme ceci. Donc je trouve que ça rend très très bien. Hop, attendez. Voilà. Je sais pas trop ce que vous en pensez. Ils auraient peut-être dû rajouter une pièce pour que le petit tour de commande puisse tourner, mais elle reste fixe. Donc voilà, donc je vais juste rajouter un autre personnage pour que vous voyez à peu près comment on peut mettre de l'action dans ce set. Voilà par exemple. Donc on passe à la conclusion. Alors pour conclure, je pense que ce set vaut son prix. Je le trouve très bien avec de très belles figurines et un petit ensemble assez beau. Donc si vous jouez au jeu Star Wars Battlefront, ça vous permettra de recréer des batailles. Donc je vous le conseille. Bon après, je trouve aussi que tous les autres Battle Packs de cette vague sont bien. Donc j'ai un avis, on va dire, pas différent des précédents. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ce set. Donc c'est l'avant-dernière review des 4 Battle Packs. Donc la dernière, ce sera le pack de combat de l'Alliance Rebelle. Donc j'espère vous tourner ça assez bientôt. Et donc voilà, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à... On est à 2124 si je me trompe pas. Donc merci à tous. Donc je vais essayer de bientôt vous préparer la vidéo du concours. J'ai un mock Star Wars qui avance, un petit mock. Et donc voilà, donc on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Allez, à plus. Et donc si tu vois ce petit passage de vidéo, c'est que tu es resté jusqu'à la fin de la vidéo, donc je t'en remercie. Donc c'est tout simplement un petit spoil du prochain mock Star Wars donc, qui est sur une plaque verte. Donc j'ai pas du tout fini, mais j'ai fait le gros du boulot. J'espère que ça vous plaît. Donc je vais pas trop vous montrer quand même, pour garder un petit peu de mystère. Hop, donc voilà. Donc je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus!